Bonjour et bienvenue dans mon petit village Calvi. Calvi est une petite île où vous trouvez une belle colonie de gens merveilleux qui vivent ici. Donc, sans perdre beaucoup de temps, entrons dans le petit village de Goa nommé Calvi. Voisins de villages comme Aldona, Carona, Charan et Bicholi, Calvi détient sa position unique parmi eux. La religion principale de ce village est catholique. On ne trouve pas quelque autre religion ici. Il y a environ 100 familles ici qui sont catholiques. Avec ça, visitons la petite église de ce petit village Saint-Sébastien. Cette église, d'abord constituée comme une chapelle, a été constituée en 1925. La plupart des activités sont organisées par l'église. La plupart des traditions du village sont liées à l'église. On célèbre la fête des patrons de l'église sur le 15e mai, qui est la date d'inauguration de l'église. Pour la fête, vous verrez beaucoup de stands de boissons alimentaires et les jeux. Il est grand temps de porter vos belles robes et costumes. Il y a toujours une fanfare jouant avant et après la messe. Dans le soir, il y a un match de foot suivi d'un théâtre qui est créé par les grands artistes du même village. Il y a beaucoup d'artistes locaux et d'états dans ce village, principalement sur forme la musique comme le fameux Alfred Rose et un grand fil de Calvi. Les autres s'appellent Mathieu Fernandes et Roberto de Calvi, qui composent la musique en concani et aussi chantent. Avec ces artistes, autour de notre village est toujours animé et plein d'activités. Comme pour la fête de Saint-Juan, Saint-Pedre et Saint-Paul, où les gens vont pour une procession chantant des chansons traditionnelles et buvant de l'alcool traditionnel, habillé d'une couronne de fleurs appelée copelle. Il y a plusieurs compétitions, concours, et à la fin, on saute dans le puits. Certains plats les plus célèbres préparés ici sont les mêmes que la cuisine traditionnelle de Goa. Personnellement, je sens que Calvi est encore
d'une ancienne forme de Goa avec toutes les traditions vivantes, comme la Bikria Javon, Patolio, Pursan, Rose, Tsudor, etc. Calvi est une vieille île principalement sur le portugais, avec une école qui est maintenant transformée en un club pour les événements. Ce qui explique clairement que les villageois ont été éduqués. Les langues de Calvi sont konkani, anglais et portugais. J'espère réussir à répondre la langue française aussi. Calvi était célèbre pour ses beaux champs et ses vallées agricoles. On pouvait trouver des oignons et des piments rouges uniques en Calvi, que les autres gens recherchaient ardemment sur le marché à Mapsa. Selon moi, Calvi est un village autosatisfait, avec des champs, une boulangerie, une ferme avicole et un étable pour les produits laitiers. Comme nous savons, les Goanais ne pouvons pas vivre sans poisson. Et ici à Calvi, qui est une île, il y a beaucoup de poissons de rivière. Ici, on peut voir au cimetière qui est construit en 1986. Avant ça, on a utilisé les bateaux pour transporter les corps à Aldona pour l'enterrement. Même la construction du nouveau pont en 2015 a ajouté Calvi à l'une des prochaines destinations touristiques, utilisé de nombreux films et vidéos musicales. Aussi heureux que je serai d'observer Calvi dans la lumière brillante du tourisme, cela m'attriste de voir l'environnement et la faune qui comprennent les mangroves, les oiseaux, les crocodiles, les paons, les porcs épics, les lièvres envoient des disparitions. Je voudrais m'asseoir sur mon balcon toutes les soirs avec ma tasse de thé en profitant de la vue. Vous pouvez vous joindre à la paix et la sérénité avec moi. Si vous respectez la nature et gardez l'endroit propre. Les gens de Calvi sont très agréables et humbles. Ils sont très accueillants et pleins d'hospitalité. À la fin, j'aimerais terminer ma vidéo et vous présenter quelques-unes des charmantes personnes de Calvi.